Hey, salut tout le monde, c'est Rizzio et on reprend l'aventure de Sir Daniel qui s'apprête à combattre le boss du mausolée, le démon vitrail. Et c'est parti, allons-y. Ok, finalement... Ah, il est là, c'est lui, qu'est-ce que c'est? Ah ouais, ah, c'est donc ça, bah forcément vitrail, le démon vitrail. Et le vitrail va prendre vie. Boum, oh là là. Oh mon dieu! Mon dieu, ces couleurs cartoonesques qui coulolent! Le cœur du démon est son unique point faible! Et. Ah! Qu'est-ce que c'est ça? Il dit que les sauts tout moisis! Ouh là là! Et comment je fais pour aller le péter, le cœur du démon? Ah merde! Ok, d'accord! Oulala, merde, oulala, merde, oulala, oulala. Putain, c'est ce que j'avais dit à l'épisode précédent. Putain, je pouvais pas bouger la caméra. Allez, amène-toi. Oh merde. Oh putain, je vais me faire me déboîter sans lui avoir enlevé un pet de vie, quoi. Mais fous-moi la paix un peu. Tire, 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 tire. Oh merde, oh merde, oh merde. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est un combat 100% 100% distance. Oh merde, oh merde. C'est bon. Ne me laisse pas tranquille. Ouh là là, ça m'a envoyé. C'est bon. Putain, je vais peut-être l'avoir finalement. Oh merde. Ouh là là! Je vais peut-être l'avoir finalement! Allez, montre-moi ton cœur! Vraie mitrailleuse! Oh, je l'ai eu! Oh, je l'ai eu! First try! Premier coup! Ah putain! Ah merde! Ce combat! Je me suis fait démonter ma gueule! Le temps que je comprenne comment ça marche! Tant que je comprenne comment marche le boss et quel est son point faible, je me suis fait fumer la gueule. La clé... Oh là là. La clé... Ah non, ça c'est la sortie. Moi je veux aller par là. Qu'est-ce qu'il m'offre par là? Oh, de la vie, donne-moi de la vie. Oui, de la potion d'énergie. Quel est donc cet endroit? Ah oui, c'est l'endroit où il y avait le Graal. Tout se rejoint finalement. Ok, oh putain. Eh ben... Ça valait la peine de se faire déboîter, hein. C'était ça qu'il fallait faire. S'il faut, je suis mort comme une merde, encore une fois. Tous les plus héroïques des héros sont mis à l'honneur ici. Ils n'ont pas tellement envie de devenir amis avec toi pour l'instant. Va donc oxyre un ou deux Zarok. Et peut-être que... Pff, rien du tout. Oui, je suis de retour. Dans le centre commercial du Hall des Héros. Les chercheurs d'occasion devraient rester au rez-de-chaussée. Les nantis, eux... Je devrais fouiner à l'étage supérieur. C'est là que ça se passe. Tu serais pas en train de te foutre de ma gueule un peu, tête de lard, là? Hein? Tu serais pas un peu en train de te moquer de moi? Alors, ma statue... Oh! Je peux débloquer un nouveau mec! Et je ne peux pas avoir l'épée de ce gars-là. Bon, bah tant pis. Ils sont là, mes Graals! Pourquoi il est pas placé à côté? Je ne sais pas. Ah, ok, d'accord. Deux Graal pour lui et un Graal pour l'autre là-bas, d'accord. Ouais, je vais récupérer son super marteau. Ah, Fortesque, il paraît que ce vieil ennemi juré de Zarok est toujours vivant. Ouais. Tu avais tué l'animal. Non. Non. T'en fais pas, t'es un dur à cuire. Il faut lui montrer de quoi il en retourne, hein. J'imagine que Johnny Zombie va te donner un peu plus de fil à retordre qu'auparavant. C'est qu'est-ce qui que ça comme arme? De la merde. Tiens, prends mon marteau de guerre. Ouais. Ça détruit tout ce que ça touche et c'est du solide. Cool. Il ne me sert qu'occasionnellement pour casser des noix par ici. Foutaise, Fortesque. Non, n'est pas une réponse. Cogne quelques têtes pour ton bon vieux Stagneur le ferrailleur, d'accord? Hein? J'ai pas dit non. J'ai dit oui. J'ai dit oui, vas-y, donne-moi ton marteau qui déchire. Est-ce qu'il a une durabilité? Non, il n'a pas de durabilité, tant mieux.
Alors. Boum. Oula, par contre, c'est lent. Ah oui. Ça envoie du pâté, mais c'est lent. Ouah, le marteau de Thor! C'est magnifique. Putain, c'est beau. Putain, je surkiffe. Je vais garder ce marteau et je vais tout déchirer avec, bande de fion. Allez, c'est parti. Oui, on va continuer et on va aller vers le niveau suivant qui est... Ah, cette clé, c'est plus... ben voilà. Cette clé, c'est plus... Kral et je ne sais pas. D'accord. Ok, j'y retourne. La colline du cimetière. Retour au cimetière. Je comprends pas. C'est quoi retour au cimetière? C'est là où je dois aller? Non, je comprends plus rien. Bon, on va aller vers retour au cimetière, hein. Ça doit être par là. Ça doit être par là, c'est le seul truc que j'ai pas fait. C'est le retour du squelette prodige. Prodige. Tu dois maintenant parcourir le monde des vivants, mais méfie-toi des gardiens du cimetière, ils ont horreur des ossements à l'air libre. Oh, vous allez voir ce que vous allez voir. Le sac d'os, vous allez voir, il va vous botter le cul. Force 12. Alors, coucou. Ah, ça commence bien. Ouais, par contre, c'est bien, mais c'est lent. Boum. C'est bien, mais c'est lent. Oh. Et du coup, le niveau, il a changé. C'est plus pareil. Est-ce qu'il y a un truc caché? Est-ce que si je saute sur les cercueils, il y a un truc caché ou pas? Oh, oh. Oh. Salut, les copains. Nous allons nous occuper de nos petits couteaux. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Tiens. Et tiens. Est-ce que si je saute sur les cercueils, il y a un petit truc caché? Non. Attention, on va tester. Ah non, il n'y a rien de caché. Bon ben voilà, je suis mort. Ok, merci bien. Merci l'ami. Bon ben j'ai un flacon de vie qui a été claqué pour rien. Ça. Qu'est-ce que c'est que cette brume dégueulasse? C'est les zombies qui ont lâché des caisses. Ça se pète ou pas? Non, ça ne se pète pas. Ok, bah on va continuer à avancer. Ça, c'est quoi? Une tombe. Une mine. Oula, 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 il y a du monde. Et alors, les gars? Boum. Boum. Ressentez la puissance du marteau de Thor. Oh là là. Oh là là, ils ont eu mal. Non. Et boum. Et un petit coup pour être sûr. C'est au cas où. Ouh là, il y en a encore un. Je me lasserai jamais de cette super attaque. Ah putain, c'est génial. Du pognon. Donne-moi du pognon. Oh là là, mais cette attaque, elle est terrible. Elle est géniale. Je peux péter la petite main maintenant ou pas? Non, je peux toujours pas la péter la main. D'accord, allons-y. Là, je ne peux pas aller. Oh oh. Oh oh oh. Chaboum. Ouh là là. Je leur ai fait mal. Chaboum. Je vais spammer cette attaque jusqu'à la fin des temps. Pour tous les éclater. Non, franchement, elle est géniale cette attaque. Ouh là là. Effet spécial plus. Maximaus. Destruction. Et boum. Alors. Là, je sens bien le... Non, il n'y a pas de zombie, là. Ah non, il n'y a pas de zombie. Boum. Donne-moi ça, va. Qu'est-ce que c'est? Oh, un bouclier en argent. Faire des achats. J'ai plus de vie, par contre. Ah bah, il y en a un là, donc... Non. Boum. Boum. Ouh là là, ça a pété. Aïe. Je les ai détruits ou quoi? Ah ouais. Et ouais. Ah non, il en reste un là-bas.
Boum. Comment ça, boum? Mais ils font mal en plus. Ok. Bon, alors allons-y, hein. Coucou. Coucou. Bah voilà, c'est bon tout ça. Y en a d'autres ou pas? Ah oui, y en a un qui est là. Alors attendez, moi je vais aller par là. Non, y a rien par là. Non, en fait c'est la suite du niveau. En fait c'est le niveau mais inversé, avec des ennemis un peu plus balèzes. Là je sens que ça va chier. Ça va chier des cacahuètes. Salut les gars. Boum. Oh non. Et non. Oh là là, mais ils font hyper mal en fait. En fait c'est pour ça que je perds toute ma vie. C'est parce qu'en fait ils font des charges. Non. Tu mourras pas toi. Ils font des charges et une butte. Oh là là. Oh là 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 là. Alors, la clé du mausolée. Non, je veux pas y aller. Moi je vais aller par là. Ah merde. L'ange il est tourné vers là-bas. Je peux l'avoir ou pas du coup? Je suis à combien? Je suis à 71%. C'est peut-être normal en fait. C'est peut-être fait exprès. Ouvrir l'inventaire. Je vais utiliser elle. Outre-tombe à point nommé. Oh là là. N'importe quoi. N'importe quoi ce jeu de mots. Et ça y est. Oh oui. Je peux rentrer et... Qu'est-ce que c'est que tout ça? Merde, ça, ça pue ça. Il va falloir y aller doucement. Ninja. Voilà. Ninja. Ninja. Ah merde, c'est des loups. Oh. Merde. J'ai réveillé tout le monde avec mon bordel. Amène-toi. Chut. Tais-toi. Couché. Très bien, très très bien. Alors, il faut aller par où maintenant? Oh, oh. Qu'est-ce que ça dit ça? Tu aimerais te déplacer plus rapidement? Ouais. Tu aimerais d'abattre des murs en chargeant? Ouais. C'est facile. Il te suffit de terrasser les terribles gardiens du cimetière et ce nouveau pouvoir sera tien. Tu ne sortiras plus jamais de ta tombe sans lui. Ah ah, d'accord. Ok, très bien. Une rune étoile est requise. Et est-ce qu'il faudrait que j'aille par là? Non, ça c'est... C'est qui gueule comme ça? Ah, c'est eux. Ouh, attention, super attaque. Ta bouche! Hop là, chute. On va aller par là. Là, il y en a encore un. Ah, il y a un loup qui arrive! Chut, tenez-vous! Foutez-moi la paix! Vous dis zombies! Tais-toi donc. De l'argent, c'est bien. Et là, il y a quelque chose dont il n'y a rien là. Ok. Bon, on va pouvoir aller par là. Oh, oh. Ah, merci donc. Alors, par là, qu'est-ce qu'on a? Ah, bah, c'est ça la fameuse rune. La rune étoile, très bien. Et là, qu'est-ce qu'on a? Oh putain, mais je fais comment pour aller là-bas? Ok, d'accord. Ok, intéressant. Mais je fais comment pour y aller maintenant? D'accord, bon déjà on a une rune. On va y aller. Voir ce que ça donne. Tiens, prends ça. Oh, de l'argent. De l'argent en masse. Oh, une fiole. De l'argent en masse. Qu'est-ce que... C'est marqué quoi là? Undertaker, sous terre. Ok. Oh, le Graal, il est là. Bonjour. Oula, 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 oula. C'est allé vite. Le Graal est ici. D'accord. Ouh. Non. Ah non. Non, je vais aller par là. Alors, nous allons tester par là. Ouh là là. Ouh là là. Mais c'est eux qui font mal en fait, ils chargent comme des bleus, comme des bœufs là. En fait, quand ils chargent, il faut peut-être que je me protège, non?
Voilà, bien joué. Tiens. Boum. Tiens, ta bouche va. Et ça, à mon avis, c'est pour être envoyé de l'autre côté. Donc bon. Ah. On va y aller pour voir. On va y aller. Non. Ça y est. Ouh. Chut. Je peux maintenant déverrouiller le calice. Très bien. Mais avant ça. Boum. T'es mort. Ouais, c'est pour être sûr au cas où. Et là. Et là. T'as cru te cacher, mon gars. Hein, t'as cru te cacher. Je peux aller par là. Oh, de l'argent. Est-ce que je peux aller encore plus haut? Non, je ne peux pas aller encore plus haut. Par contre, je peux aller par là. Oui, donne-moi ça. Et là, on peut descendre. Faire des achats. Non, je ne fais pas d'achat. Non, non, mais saute, saute. Merci bien. Ça y est, je peux le pousser ou pas? Non, je peux pas le pousser. Non! Putain de merde! Pourquoi tu l'as lâché? Oh là là! La mort débile, quoi! Ah d'accord, ça suit le chemin, putain! Ouais, ouais, mais je suis plus habitué, moi! D'accord, et là, on va faire un pont. Ok, et ouais! Non, mais je suis habitué au jeu... Au jeu moderne, quoi. Où t'es obligé d'appuyer ton bouton 25... Ouais, d'accord, ok. Là, c'est pareil. Où t'es obligé, de quand tu pousses quelque chose, de le diriger. Ah non, ça marche pas ici. Ouh, je peux le pousser ou pas? Putain, c'est pas possible. Voilà. Eh ouais, là, voilà. Et en fait, là, j'ai juste à maintenir le bouton, le joystick pour avancer... enfoncé, et ça pousse tout seul en fait. Il n'y a pas besoin de contrôler la direction avec le joystick, quoi. Putain, c'est magnifique. D'équerre. Alors moi je retourne par là. Hop, on va par là. On va aller de l'autre côté. Allez. Et le hall des... Ah bah ça y est, j'ai le Graal. Ah bah voilà, ça y est, bah j'ai récupéré le Graal, c'est bon. Le hall des héros t'attend. Très bien, ça. Et nous allons... Oh là là! Non! Laisse-moi tranquille! Mais c'est pas vrai! Alors. Nous allons cette fois-ci essayer le marteau de Thor des canins qui se pointe. Kaboum! Kaboum! Ah mais j'ai eu mal quand même un peu. Attention. Kaboum! Ah mais non, en fait je me prends quand même les dégâts, quoi. Donc tant pis, hein. Ok, y aurait-il pas une petite fiole pour m'aider? Parce que là je suis pas bien. Je suis pas bien, mais pas bien du tout, quoi. Ah, une fiole. Très bien, allez, lâche-moi. Laisse. Oh là là, bon bah tant pis, bah, je refonds. D'accord, et je vais donc faire un pont comme ça. Pas con. Pas con l'artiste. Évidemment, évidemment. Ah ouais. Ok, je regagne de la vie. Et je crois que si j'ai la vie à fond, la fiole justement me permet de régénérer les fioles que j'ai perdues. Je peux sauter là ou pas? Est-ce que je peux sauter? J'en sais rien moi si je peux sauter. J'ai peur. Je peux sauter ou pas? À mon avis, je ne peux pas sauter, hein. À mon avis, c'est pas conçu pour, hein. Très bien. Et on va par là. Et normalement, je peux retourner au pont. Et les plateformes sont prêtes. Bien joué. Ouais, voilà, c'est pas conçu pour, hein. J'ai bien fait de pas sauter. Je serais mort comme une grosse merde sinon. Bon, faut pas que je me gourde dans mes sauts là. Non, putain, mais c'est pas vrai. Mais Dan, mais t'abuses, Dan. Mais comment tu peux mourir comme ça, Dan? Mais j'ai plus de flacons. Oh, y'a même pas de checkpoint. Si je rate mes sauts, c'est la muerte, mais la muerte totale, quoi. Hop. Hus. Allez. Oh, putain, c'est tout. Ça me remplit. Ah, bah voilà, ça me remplit mes fioles. Ah, oh, ouais, non, mais putain, je suis content. Ça, c'est cool, ça. La fontaine, ça me rend...
Ouh, y'a plus de fontaine. Merde. Bonsoir. C'est ici la soirée. Oh merde. Oh merde. Qu'est-ce que c'est que ces horreurs encore? Un grou-grou. Oh là là. Super attaque de la mouette palouda. Oh putain, mais il meurt pas. Ah, je fais comment pour les éclater, ces machins? Aïe. Mais ils sont sérieux? Mais je fais comment pour les détruire? Putain, mais c'est pas vrai, hein. Oh, détruit le bouclier en argent, merde! Ah, ça va, ça fait pause quand je prends un objet, ça va. Ok, d'accord. Et par contre... Mais je fais comment pour les détruire, bordel de chiottes? D'accord, ok. Alors, on va tenter avec les méga attaques. Boum! Voilà! Ça y est, je pense avoir compris. Boum! Ah, je pense avoir rien du tout compris parce que je me fais déboîter quand même. Viens là! Je l'ai ou pas? Oh, les deux en même temps! Merde, 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 merde. Boum! Et alors? À la niche! Tu ne mourras pas! Boum! Boum! Oh merde! Ah oh, merde, 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 merde! Ouh, tiens, je l'ai calmé! Ah oh, ça y est! Oh ben voilà, facile! Facile! Easy, comme on dit! Easy! Bon, j'ai pris un peu tarif, mais. Tiens, cassez-vous! Non, ça marche pas. Ok, bon, et eh ben écoutez! Nous allons. Nous allons quoi? Tout a changé hors de la nécropole. Il y a des chemins qu'il vaut mieux éviter d'emprunter. Pfff. Une mort atroce et douloureuse t'attend au détour de chaque virage et de chaque colline. Hein? Bon voyage. Ben merci. Mais je suis déjà mort, mon gars, donc bon. Mais il peut rien m'arriver de plus, hein. Alors. Ah oui, nous allons pénétrer dans le hall des héros. Tous les plus héroïques. Va donc oxyre un ou deux de Zarok et peut-être qu'ils changeront d'avis. D'accord. En fait, il faut que je lise les temps de chargement en deux temps. Parce que je n'ai pas le temps de lire. Alors, vas-y, parle-moi, fous-toi de ma gueule. Non? Tu te fous pas de ma gueule. Oh. Te voici dans le centre. Ah d'accord, ok, oui, non, tu te fous pas de ma gueule. Oui, j'ai 4 Graals. Qu'est-ce qu'il va me donner comme belle chose, mon ami, le... Fortesque. Certains autres gars ont parié que Zarok utiliserait ta cage thoracique comme porte-toast maintenant. Moi, je savais que tu t'en sortirais. C'est bien d'être soutenu. Voilà un petit quelque chose en plus que je peux te donner. Ça pourrait t'aider. Tu le veux? Bah, file, vas-y. Oh, du blé. Qu'est-ce que c'est? Tu me files du pognon, c'est tout? Tout ça pour du pognon? Peut-être t'aurais pas pu me filer, je sais pas moi, des potions justement parce que j'en ai plus. Très bien. Bon, eh ben écoutez, c'est parfait tout ça. C'est parfaitement parfait comme on dit. Ouh, les deux. Ouh, n'empêche, cette vidéo, belle vidéo, hein. Deux boss dans la vidéo. Et je m'en suis plutôt bien tiré, je dois avouer, hein. Franchement, je suis content. Alors, il faut aller par où? Ouh là là. Mais il y a plusieurs choix. Mais ce jeu est trop génial, triple A. Triple A, monde ouvert. Alors, on a quoi? Le champ d'épouvantail ou la terre enchantée? Eh ben écoutez, on va se laisser là. Et on se retrouve au prochain épisode pour la suite de l'aventure du chevalier Dan Fortesque qui est en train de redorer son blason et de péter des culs de zombies. Ouais, allez. Ciao tout le monde !